au début, ça avait commencé par là-bas, et puis ça a commencé aussi en bas du lycée Charlie Chaplin, où il y avait une petite zone, où il y avait aussi quelques plantes qui s'étaient développées avant. Et du jour où l'eau est devenue transparente de partout, ben, petit à petit, on a vu les plantes proliférer et piéger toute la zone du plan d'eau du Grand Large, à tel point que maintenant, il n'y a plus une zone sans plantes. On va vous proposer de réfléchir à 3, 4, 5 questions maximum au travers de cette expérience-là, pour que vous puissiez aborder les gens dans la rue d'un air assez naturel et voir un peu ce qu'ils ont à vous fournir comme explication, comme témoignage. Savez-vous quelles espèces prolifèrent dans le Grand Large ? Voilà, ça peut être une première question. On peut demander aux gens s'ils ont entendu parler des PCB, s'ils pensent que les PCB ont un rapport avec l'eutrophisation, enfin, pas l'eutrophisation, mais le développement des algues. Avez-vous des hypothèses sur la cause ? Une idée sur les faits ? Y a-t-il un danger pour l'écosystème et pour nous ? Comment évolue cette prolifération ? Y a-t-il des périodes où il y a plus d'algues ? À peu près plus d'un an. On parle de la pollution, évidemment. Pourquoi elle est due à cause des usines? Je ne pense pas qu'il y en ait tellement ici. Est-ce que ça vient d'ailleurs? C'est possible. Que ces algues n'amènent pas que du bon, c'est certain aussi. Il faudrait peut-être les enlever. Il en était question d'ailleurs qu'il y a des machines qui sont prévues et qui doivent être enlevées, mais je ne sais pas s'ils l'ont fait encore. Mais c'est certain que ce n'est pas très bon pour la nature. Et on a perdu la moitié de notre... De nos gens. Ah oui, parce que les gens, la pratique de la voile, ils commencent à en avoir ras-le-bol, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, quand les îles commencent à toucher, bah, ça freine les bateaux, ça les intéresse plus. C'est pour vous dire qu'en réalité, on ne peut pas pratiquer la voile, notamment la voile en habitable, n'importe où. Il faut avoir une certaine profondeur, sinon, comme je vous le disais tout à l'heure, les quilles touchent le fond, touchent les algues, et à ce moment-là, ça n'a plus aucun intérêt. Mis à part les petites algues qui sont faites par l'aviron là, qui est passé, le bateau, mais sinon c'est une eau qui est vraiment stagnante dans toute la zone. Et là vous le voyez bien, l'herbier qui se développe et qui pose tant de soucis ici, là, juste à la limite des pêcheurs. Là. Les algues se développent depuis 4 ans. Et elles se développent beaucoup dans l'année, enfin... Et elles prolifèrent de plus en plus d'année en année. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure des années, ça augmente et ça se densifie de plus en plus. À quelle période de l'année ? C'est la période chaude, c'est-à-dire à partir du moment où l'eau commence à se réchauffer, le soleil commence à bien sortir, c'est-à-dire un peu du mois de mai jusqu'au mois d'octobre. En gros, du 15 mai au 15 octobre. On a récolté des algues et de l'eau en profondeur et en surface avec les algues. Et puis bah, après, je sais pas, on va sûrement les analyser. Vous avez des hypothèses pour expliquer ce développement ? Alors le développement, il vient principalement du dragage du plan d'eau. Il y a 4 ans de ça, ils ont désenvasé le plan d'eau à 2 mètres de profondeur. Au moment où ils ont désenvasé le plan d'eau, les sédiments se mettant plus en suspension, on s'est retrouvé avec une eau transparente. Et du jour où l'eau est devenue transparente de partout, ben, petit à petit, on a vu les plantes proliférer et piéger toute la zone du plan d'eau du Grand Large, à tel point que maintenant, il n'y a plus une zone sans plantes. Très beau geste.
pas, ça dépend de vous. Vous voyez, il y a une espèce d'encoche. Ouais, vous déposez la goutte ici. Bah, c'est ce qu'on fait, mais on a du mal. Voilà, tu déposes la goutte complètement. Vas-y, mets une plus grosse goutte. Voilà. Et ben voilà, c'est possible. On a d'abord mesuré l'intensité visuelle des petites fioles pour savoir à peu près à combien il y avait de cellules en gros, grâce à l'ordinateur. Et puis après, bon, on a mis grâce à une pipette un échantillon d'algues dans les petites plaquettes, et on a compté grâce au microscope en disant combien il y avait de cellules. Donc dans le microscope, ça se matérialise par des petits points noirs. Après, on va voir si on a tous trouvé la même chose et on va faire une moyenne de tout le monde. Ouais. On verra si on arrive à la même chose ou pas. On va voir.